Zuflewen. Merci à toutes, merci à tous d'être là, d'avoir répondu à l'appel de Thamazra. Nous sommes très contents, même si on n'est pas nombreux, mais on est là. C'est très important de dire que nous sommes là. Alors, bien sûr, vous l'avez tous compris, hein, toutes et tous compris, c'est tout à fait naturellement que Thamazra s'est mobilisé pour justement venir en solidarité, en soutien à nos frères de l'Azawad qui ont décidé de mener un combat pour leur libération. Alors ce combat, bien sûr, je dis, c'est tout à fait naturel qu'on s'est solidarisé, mais au fait, ce combat, c'est le nôtre aussi. C'est le combat de Thamazra. Il est encore plus le combat de Thamazra parce que c'est la première fois qu'un mouvement amazigh dit clairement qu'on veut libérer notre territoire. Et c'est très important, très important. Il y en a marre du colonialisme. On ne peut plus supporter le colonialisme. Cela fait 14 siècles qu'on souffre, que la terre de Thamazra souffre. Il est temps que cette souffrance cesse. Et il est temps que quelqu'un, que la région de Thamazra commence. Nos frères Touareg de l'Azawad ont commencé. Ils sont en train de nous montrer le chemin de la libération. Il n'y a que le combat pour la libération nationale qui sera le salut de Thamazra, le salut des Imazighens, tous entiers. Donc, tout à fait naturellement que nous sommes là aujourd'hui, c'est tout à fait naturellement que nous avons compris le combat, le message de nos frères qui sont au front aujourd'hui, qui font face à un État qui est raciste. Vous avez bien entendu. Les agents de cet État, ils sont bien venus nous voir ici, aujourd'hui. Heureusement qu'on est dans un État de droit, où il y a des lois qu'il faut respecter. Donc, nous sommes protégés. Sinon, les gens, ils viennent nous le dire. On les a entendus, on les a enregistrés. Ils disent que nous allons tous vous tuer. On va tous vous tuer. Vous imaginez, ils sont venus ici en France pour nous dire que nous allons tous vous tuer. Mais le problème, c'est qu'ils sont... Eh bien, continuez en criant. Le problème, c'est qu'ils sont, en train de tuer nos frères, nos sœurs, sur place. Nos camarades Moussa et Mamatel viennent le dire. Il y a des massacres qui se font au quotidien, aujourd'hui, par l'armée du Mali et leurs milices. Parce qu'il n'y a pas que l'armée qui agit, il y a aussi les milices qui agissent. Donc cela fait des siècles qu'on subit ça. Mais depuis 50 ans, ce sont ces États contemporains que la France, malheureusement, c'est la France qui revient, qui les a créés. C'est la France qui a décidé que le peuple Touareg soit rattaché à ces États qu'il a créés de toutes pièces. Il faut les rappeler peut-être à ces États. L'État algérien, l'État malien, l'État nigérien, l'État marocain. Tous ces États sont créés par le colonialisme français. Donc aujourd'hui, ces colonialismes doivent cesser. Et pour qu'ils cessent, il faut qu'ils décident de mener le combat qu'il faut, le combat pour la libération. Donc, nous appelons, nous ne sommes pas nombreux, mais on peut, notre action peut y aller loin. Nous appelons tout à chacun à agir par les moyens qu'il a, par informer, par agir, pour faire connaître le combat de l'Azawad, mais pour faire connaître aussi leur cause. Et n'oubliez pas une chose, c'est que nos ennemis, ils agissent au quotidien, ils ont les moyens, ils ont les médias. Ils sont en train de dire que ceux qui se battent dans l'Azawad, ce sont des terroristes islamistes, ce sont des gens de l'ACMI. Mais nous, on ne va pas nous faire celle-là. L'ACMI, c'est quoi l'ACMI? C'est terroriste islamiste. C'est la création du pouvoir d'Alger en particulier. C'est Alger, c'est le système algérien qui les a créés. Savez-vous que l'ACMI, il a deux fiefs? Elle a deux territoires. Il a la Kabylie comme fief et l'Azawad. Car voyez-vous que c'est un hasard que l'ACMI a comme fief la Kabylie et l'Azawad. Non, c'est parce que tout simplement, la Kabylie et l'Azawad, ce sont deux fiefs justement qui dérangent le pouvoir d'Alger. La Kabylie a été toujours un problème. Tenez, depuis 63 d'ailleurs, en 63, l'armée algérienne est venue violer, massacrer en Kabylie. En même temps, l'armée malienne, il a massacré dans l'Azawad. Ça, Imazir ne le savait pas à l'époque. Imazir de l'Azawad ne savait pas que l'armée algérienne était en train de massacrer et de violer en Kabylie. Sauf que Kabylie ne le savait pas aussi. Mais aujourd'hui,
on peut le savoir. Aujourd'hui, s'ils veulent massacrer ton Azawad, on le saura partout. Tous les Imazirans le sauront, non seulement dans Damasra, mais à travers le monde entier. Et on ne se laissera pas faire. Il arrivera un jour où tous les Imazirans vont soulever. Hein, le chemin de frère Azawad va être suivi par les autres. Hein, il arrivera un jour ou l'autre. On va se libérer. Damasra va se libérer. Et Imazirans vont récupérer leur territoire historique. Et ils vont vivre libres sur leur territoire. Il est temps qu'on arrive à reconquérir notre souveraineté et notre liberté. Donc, il est très important de parler autour de vous, d'élever les amalgames qui veulent faire croire que les combattants de l'Azawad sont des islamistes, sont des terroristes. Non, ce sont des combattants de la liberté. Et on sera derrière eux jusqu'à la victoire. Et on est là, on sera là, aujourd'hui, demain, jusqu'à la victoire. Autre chose, je ne vais pas trop tarder parce qu'en plus il faut que d'autres camarades interviennent, tant que la sonorisation y est. J'ai envie, au nom de Temazra, d'attirer l'attention, de m'adresser ici aujourd'hui aux autorités françaises, parce que nous sommes en France. La France est responsable pour une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Nord. Elle est responsable de la création de ces États. Ces États, non seulement il les a créés, mais il les soutient, il les assiste même militairement. Alors aujourd'hui, si on a une demande à faire à la France, aux autorités françaises, c'est qu'ils restent, c'est qu'ils observent la neutralité, qu'ils ne soutiennent pas le Mali militairement, qu'ils restent neutres, que la France ne veuille pas soutenir Imazirans les Berbères, c'est leur problème. Ils ont leurs intérêts, on les comprend, c'est légitime, mais de grâce, les autorités françaises, M. Sarkozy et tous les décideurs de la France, n'assistent pas militairement l'État malien, parce que cet État est un État impérialiste, un État raciste, un État qui assassine au quotidien, sans vergogne. Donc on ne peut pas assister ces gens-là. Il faut que la France cesse l'assistance militaire de ces États. Parce qu'après, je pense qu'on pourra se débrouiller avec ces États-là. Si on nous laisse, on peut se débrouiller avec eux. On peut. On n'a prouvé pas le passé qu'on est capable de nous défendre et de protéger notre territoire. Mais que les États, que ces puissances cessent de soutenir des monstres qui sont contre l'humanité. On a vu aujourd'hui, ici sur le territoire de la France, ils sont venus, ils ne respectent aucune règle. Ils disent aux gens, dans un état de droit, on va vous tuer. C'est inimaginable pour nous. On ne peut pas dire ça à l'être humain. Ils viennent et le disent. Donc que la France cesse de soutenir ces monstres. Et puis, que les gens fassent très très attention aussi, c'est très très important dans ton entourage, aux manœuvres d'Alger, aux manœuvres de l'État algérien, et son DRS, ses renseignements. Ils sont très très forts, ils vont faire tout pour faire échouer le mouvement de l'Azawad. D'ailleurs, nous lançons un appel à nos frères de l'Azawad, de MNLA, à ne pas faire confiance à l'État algérien, à ne pas faire confiance à leurs intermédiaires. On ne veut pas de l'Algérie comme médiateur. On ne veut pas. Un État voyou ne peut pas être médiateur. On veut, s'il y a des médiateurs pour un dialogue, ce qui est tout à fait normal, on veut des États civilisés, pas des États voyous comme Alger. Ce sont nos ennemis. Voilà. Merci d'être venu et nous vous appelons à maintenir la mobilisation et faire de tout ce que vous pouvez pour être aux côtés de nos frères de l'Azawad qui se battent et qui souffrent au quotidien.